Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de gagner des points dans Rocket League Live. Alors le code de la map sera en description et en commentaire épinglé, donc vous rentrez le code dans le jeu, ensuite vous rentrez dans la map. Et là, quand vous arrivez dans cette map, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser 250 points. Donc, vous avez deux solutions pour réaliser ce défi. Soit vous faites des points de style, ou soit vous faites une course. Donc, moi, je vous conseille grandement de faire une course. C'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer le freestyle. Donc, c'est des points de style. Alors, par contre, là, je comprends pas pourquoi j'apparais sans voiture. Donc, ça, c'est un bug. Si vous avez le même bug, ben, vous faites réapparaître, hein, tout simplement. Ok, et ensuite, ben, vous y retournez, logiquement. Voilà, parfait. Là, j'ai un véhicule, c'est good. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer dans les anneaux. Donc là, regardez, je suis passé dans l'anneau, j'ai gagné un point. L'anneau vert, c'est un point. Celui-là, je pense que c'est 5 points. Mais je suis pas sûr. Attends, on va réessayer. Hop. Ouais, celui-là, c'est 5 points. L'anneau vert, c'est un point. L'anneau jaune, c'est, je sais pas combien, peut-être 10 points. Et l'anneau rouge... À mon avis, ça doit être beaucoup plus, quoi. Mais il y a assez de choix à avoir. Je vais réessayer une dernière fois. Hop. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Donc tant pis. Moi, je vais pas. Moi, je vous conseille quand même pas de le faire sur ce circuit. Enfin, point de style, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une course. Donc, vous faites réapparaître. Donc là, j'ai gagné 21 points. Je dois faire un total de 250 points pour débloquer les deux défis. Hein, parce qu'il y a un défi, c'est 150 points. Non, c'est 100 points. Et un deuxième défi, c'est 250 points en total. Donc, quand vous aurez fait 250 points, vous aurez débloqué deux défis qui vous rapportent 20 000 chacun. Chacun des défis, plus des récompenses, bien évidemment, gratuites. Donc là, regardez, je vais dans Race Trace. Et là, franchement, c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à passer dans des anneaux verts. Donc, hop, on fait la course. Et vous faites ça en illimité, hein. Vous faites la course en illimité pour gagner des points en illimité. Alors vous avez vu, ça bug parfois, c'est un peu dommage. Sûrement les serveurs qui sont pas très stables, mais c'est tout le temps dans ces tournants-là, j'ai l'impression. Donc c'est un peu dommage. Par contre, j'ai l'impression que il y a plus d'anneaux verts ou quoi? Ah si, c'est bon. Normalement, il y a toujours des anneaux verts. Hein. Voilà. Et là, regardez, chaque anneau que j'ai pris... Je gagne 5 points par chaque anneau vert que je passe dedans. Donc c'est plutôt rentable, hein. C'est plus rentable que les points, que les trucs de style. Donc voilà, vous faites la course en illimité. Après, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous voyez, parce que je sais pas, oh, regardez, quand j'ai fini le tour, j'ai gagné 25 points, je crois. Donc là, c'est encore plus rentable, quoi. Mais si vraiment, parce que là, je vois que parfois, les anneaux verts, ils ne sont pas toujours là. Si maintenant vous faites, je sais pas moi, 3-4 tours et que les anneaux verts ils n'apparaissent plus, ce que vous faites, c'est que vous relancez la part. Hein. Vous quittez la map et vous relancez la map pour faire réapparaître les anneaux verts. Hein. C'est que ça bug. Donc là, je vais finir le tour juste pour voir combien ça va me rapporter au total. Voilà, boum. Donc là, j'ai pris 20 points directement, donc c'est assez rentable. Hein. Donc voilà, dès que vous aurez récolté 250 points dans ce mode de jeu, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!